Coucou papa! Comment il va le fiston? Ça va? Tranquillou? Hein? T'es content d'être avec papa ou pas? Aujourd'hui on va faire un truc de fou! On va pas aller à Disney. Mais on va manger ce que tu préfères. Trop bien! Vas-y, t'inquiète. Comme ça on va se retrouver entre père et fils un peu, ça fait du bien. Maman, t'emmènes pas ici, hein? Hein maman, tu les haricots verts, mange les légumes. Mais non, je t'ai dit je suis le meilleur papa là! Prends ce que tu veux, prends. Je veux des nuggets avec du ketchup. Tu veux des nuggets? Au ketchup. Ça t'appelle des nuggets, frère? Ouais, par 6 ou par 9? Par 6. Par 6, avec ça? Moi, je veux prendre un américain, s'il te plaît. Tu le veux en menu ou pas? En cheese nan. Ouais, en menu. En cheese nan, impeccable. Tu manges là ou à côté? Ici. Et puis voilà. Allez. Ça sera tout. Ça te fait 19,40, s'il te plaît. 19,40. Vas-y, va prendre la place à papa là-bas. Va prendre la place. Par CB. Voilà. C'est bon, hein? La frappe, papa. C'est qui, Saïd? Hein? Saïd. Maman, t'as jamais parlé de Saïd? Oncle Saïd, c'est le nouveau grand frère de maman. Il vient me chercher même à l'école. Elle t'a dit, donc maman, elle t'a dit que c'était son nouveau frère, quoi. Tu dors à quelle heure? Maman, je dois dormir tôt à 21h. 21h? Elle te fait dormir à 21h? T'entends des bruits après minuit ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à la maison après minuit? Oncle Saïd, il met la musique à fond. Il met du Werenoi à fond. Et maman a dit que je dois dormir et que je dois pas les déranger parce que maman, elle a besoin de parler avec Saïd dans la chambre. Maman, elle se fait belle. Tu vois, quand t'as plus école, maman, est-ce qu'elle se fait belle? Elle met des talons et tout. Ben oui, elle ramène la nounou. Elle te fait garder. C'est Monia, elle vient avec Jalal. Ils font des Netflix and chill. Faut donc maman. Oui, et même maman, elle a un groupe sur Snap qui s'appelle Les Beach du Babitski. Et à chaque fois, la musique, c'est j'ai mis mes lunettes, tu vois plus mes yeux. Je vais t'envoyer là, je vais t'envoyer en Algérie pendant 2 semaines, histoire que je règle un peu les soucis.